Eh bien bonjour Olivier. Bonjour Martin. Alors euh, nous sommes très heureux de pouvoir te poser quelques questions sur le mixage son et sur le travail du son dans les films. Donc tu t'appelles Olivier Guanard et tu es sorti de l'ENS Louis Lumière en promotion 1998, ce qui va nous permettre de justement évoquer la question des passages de l'analogique au numérique, ce qui va être l'élément central pour notre discussion. Et puis, euh, je rappellerai que tu as travaillé aussi bien avec Benoît Jacot, Livia Sayas, euh, Naomi Kawase, euh, Miron Senlove, euh, Jia jongze, euh, Varda, Téchiné, Xavier Dolan. Donc, on va dire beaucoup d'auteurs. Mais tu as aussi travaillé sur un gros film comme Le Chant du Loup, euh, qui est un plus gros budget, peut-être plus grand public. Donc, ça sera intéressant aussi d'avoir quelques, un, disons, de descriptions sur des différences éventuelles entre des budgets qui ne sont pas pareils ou des euh, techniques ou des façons de faire qui peuvent être différentes. Mais donc peut-être d'abord, euh, si tu peux nous expliquer comment euh, ça s'est passé pour toi au moment où tu es sorti de l'ENS Louis-Lumière et les premiers travaux que tu as faits sur des, sur des films de long métrage. Il voilà, faudrait retrouver mes premiers films. Euh, bah après, c'est tout un, un processus d'apprentissage très très progressif, finalement. Parce que finalement, ce, ce métier-là, les métiers du cinéma en général, s'apprennent, comme on dit, sur le tas. Euh, les écoles ne servent pas forcément à grand-chose. Si ce n'est euh, à, à faire toutes les bêtises euh, <laughs> ah bon. avant de rentrer dans le milieu professionnel, parce qu'en fait, on peut jamais planter un film. C'est-à-dire que si jamais on a la responsabilité, euh, même à un petit poste sur un tournage, on peut pas foirer quoi. C'est pas possible parce que ça fait, euh, bah, on fait rater un plan, euh, mmh. on ramène ça pas ça les sons qu'il faut, faire. on sature tous les sons. Enfin, c'est pas possible. C'est-à-dire que euh, euh, on doit être euh, efficace euh, immédiatement quoi, si on veut travailler. On peut pas, ah oui, parce qu'en en fait, chaque jour coûte de l'argent et donc il ne faut vraiment pas qu'il y ait un, un, quelque bon. chose qui soit planté à cause de l'ingénieur du son, par exemple. Par exemple, et même, même avec un assistant, enfin, que, même si c'est l'ingénieur du son, par exemple, qui va endosser euh, la responsabilité, ça, ça n'empêche pas qu'il faut, faut être euh, voilà, fiable et puis, euh, entre guillemets, professionnel dès, dès, dès ses premiers jours. Donc les écoles, elles servent euh, à... À vraiment expérimenter au maximum les choses, à apprendre évidemment tout l'aspect théorique et surtout à, 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 à développer déjà un peu un réseau. Et, et puis la, la grande chance de faire par exemple Louis Lumière, c'est qu'il y a une énorme confiance, une tradition de confiance entre les anciens Louis Lumière et les étudiants de Louis Lumière. Et quand on veut un stage, euh, bah voilà, les, les portes s'ouvrent. Euh, Peut-être aussi facilement. tester le matériel, non Il y a quand même du matériel qui est à peu près celui des tournages qui permet de vérifier que tu as la capacité à l'utiliser Oui, après, avec ce danger dans les écoles où il y a souvent en fait une sorte de décalage, comme si on était dans un temps qui est déjà révolu. Parce qu'évidemment, au niveau des tournages et dans la réalité des. des de, de la production actuelle, ils sont euh, on a un petit côté geek quand même dans ce métier où on est toujours à la pointe avec le, le mmh. ça se répand très très vite si on a le, 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 on avait le dernier nagra on avait le dernier nagra voilà et, euh, et là le à l'école on est toujours sur quand même du matériel sur du long terme qui va être amorti sur des années donc on est on est souvent un tout petit peu, un tout petit oui. peu en arrière c'est logique mais ouais. ça ne ça change pas grand chose de toute manière alors justement quand tu sors le matériel c'est du matériel uniquement analogique 98 non. Non, la révolution, elle, elle a déjà eu lieu. Parce que moi, en fait, j'ai fait un, un, un BTS audiovisuel. C'était le premier BTS audiovisuel qui a ouvert à, en option son à Toulouse au lycée des Arènes. Après, un dust d'acoustique au Mans, et après, j'ai fait l'eau lumière. Et en fait, euh, pendant ma formation à, au BTS, il ouais, y a eu les premières machines numériques qui, qui, qui ont vraiment commencé à, à apparaître dans la post-production son et dans les écoles c'est là où j'ai manipulé donc déjà en 92 ah oui. hein, 92 93 on a vu les premières machines nos, nos machines à bande en analogique en travaillant ce qu'on appelle en 625 c'est la, la largeur de la bande, de la bande voilà euh, on pouvait faire de la stéréo dessus. Et, euh, et là, ça a commencé à être remplacé par exemple par des euh, DD1500, DD1000 à l'époque où on avait quatre pistes. Et après, des DD1500, on en avait plus. DD pour digital. digital. Sans Donc doute. <laughs> oui, parce qu'en en le... qu réalité, euh, si le cinéma se met au son numérique, c'est parce que c'est déjà utilisé dans la production de disques. Et que depuis le début des années 80, puisqu'il y a le CD qui est, qui est sorti sur le marché, oui. ils font de plus en plus d'enregistrements de, euh, digitaux. Et euh, bon, par exemple, on peut avoir ADD, c'est-à-dire euh, analogique pour l'enregistrement, digital pour euh, le mixage et digital pour euh, le, su le, le support, support de, ouais. de, de terminer, qui est le mmh, CD. Mmh, mmh, mmh. Et donc... Euh, Finalement, on va avoir du DDD à la fin, c'est-à-dire euh, digital dès l'enregistrement, enfin, tout en numérique. Et euh, ça, ça se passe pendant les années 80. Donc effectivement, en 92, ça commence à arriver vers le, vers le cinéma. Ouais. Oui, puis il y a eu le... Je bon, ferai être très précis sur la date, mais enfin, c'est en gros à la fin des années 80. 80 début 90, qu'il y a eu l'apparition du Dolby Digital en salle. Oui, euh, c'est euh, ouais, ça. C'est vraiment la numérisation de, ouais. bah, en fait, euh, du son au cinéma. C'est un tout petit peu après, mais il y, a, il y a plusieurs systèmes numériques qui vont se concurrencer à ce moment-là. Il y a Sony, et il y a Dolby, DDS, ouais. et il y a euh, des DTS. Français aussi qui vont faire DTS, un ouais, système, ouais. Ouais. le DTS. Ouais. Hum. Donc oui, toi, tu apprends juste à ce moment-là, alors effectivement... Euh... Oui, en fait, c'est pour ça que moi, dans ma pratique professionnelle, je n'ai pas, pas été vraiment... Très confronté au, à l'analogique. Mais par contre, j'ai eu les dernières formations en France, euh, au monde même, <laughs> à l'analogique, je les ai eues à travers ces écoles de BTS et de et à l'eau lumière. On a encore monté sur bande avec des ciseaux, à Radio ouais, donc, France. C'était avec, par exemple, des Nagras c'était avec des Nagra, avec des je me rappelle, des Tascam, des Studer, il y avait encore des Ampex. Voilà, c'est des... donc toutes les marques qui fabriquaient des magnétophones voilà. qui étaient utilisés pour l'enregistrement voilà. en studio ou en extérieur. Ouais. Donc j'ai pu euh, voilà bénéficier de, de cet apprentissage parce que l'intérêt de l'analogique de tout ça, c'est qu'il y avait un côté euh, très palpable, très sensuel en fait. Euh, qu'on a tendance à, à, à perdre avec le numérique, dès que, ben parce que par exemple sur un, un magnétophone à bande, il faut vraiment l'entretenir pour que ça marche. C'est-à-dire qu'on met une bande, mais ça ne marche pas, euh, ça, ça peut se détériorer. Il y a, avec le numérique, il y a, il y a cette stabilité qu'on a gagnée, qui est énorme. C'est-à-dire qu'on met un CD mille fois jusqu'à ce qu'il raye, mais enfin bon, il y avait quand même de la marge. Mmh. Ça va reproduire toujours la même chose, dans la même qualité, tandis que l'analogique, ben, c'était très sensible en fait à l'entretien même des machines. Donc il y avait une implication. Euh, des opérateurs euh, sont pour que, pour que ça marche. C'est-à-dire que notamment au niveau des par exemple, du, du, du chemin de la bande, il y avait un côté mécanique, il y avait aussi un côté euh, euh, de nettoyer par exemple les entrefers, parce que ça, ça lie des particules... Magnétiques, oui, donc les hein. têtes de lecture. Têtes de lecture, d'enregistrement, et on les, est, on les nettoyait avec des avec des, des cotons de tiges et de l'alcool mais euh, quasiment en permanence parce qu'on voyait bien en fait le, le, tout de suite l'impact que ça avait sur l'enregistrement ou, ah oui, ou sur la il y avait des parasites par exemple des parasites des, cra, des crachotis, et puis aussi la bande passante euh, était, était se retrouvait affectée donc, fallait Donc par vraiment, exemple il y a une déperdition soit dans les aigus ouais. soit dans les graves à cause du fait que c'était mal nettoyé, mal nettoyé, le... mal axé, mal, la, 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 pas, pas la bonne émulsion de la bande. Enfin voilà, on pouvait faire plein, il y avait quand même plein de paramètres sur lesquels on pouvait agir. Même si c'est très loin, mais ça n'empêche pas qu'on avait, euh, on avait ce rapport là euh, qui était qui était quand même. Euh, très très palpable et puis il y avait, il y avait aussi quelque chose où bah, c'était presque matériel enfin, c'était matériel de fait c'est-à-dire que sur la bande on voyait on n'entendait pas mais on savait que là il y avait un son d'oiseau par exemple sur cette, de cette longueur parce que on savait que ça défilait à telle vitesse et on savait que bah voilà un ça représentait tant de temps en gros ouais. et, euh, et on voyait les choses donc là tout d'un coup il y avait euh euh, un travail mémoriel, par exemple, qui a, à mon avis, euh, dis disparu euh, et qui a pris d'autres formes. Mais, mais c'est un peu aussi impressionnant que, par exemple, avec un, un téléphone portable, aujourd'hui, plus personne ne connaît les numéros. Ouais. Parce que tout est mémorisé comme ça. Et on en, alors ouais. qu'avant, on savait très bien que ça tente, c'est 48. Voilà, <laughs> voilà ouais. on, on, il fallait le faire. Parce que je pense qu'il y a une, un tout un travail mémoriel mais à, à plein de niveaux dans la société à, à cause du numérique qui, qui fait qu'on qu n'a qu plus cette alors du coup il y avait une déperdition possible parce que bon c'était du magnétique c'était mécanique ça se devait être nettoyé etc euh, et on pourrait dire euh, l'enregistreur numérique euh, il n'a pas tous ces problèmes là donc il est plus facile à manier dans le sens où ben, voilà, tu, le, tu branches et puis tu as le son numérique qui est voilà, enregistré et tu n'as pas de problème à te poser bah, sur du nettoyage par exemple de matériel mais il y a d'autres questions qui vont se poser j'imagine bah, disons qu'on n'a plus de magie quoi. <laughs> ça c'est quand même la, la grosse perte et, et quelqu'un qui commence aujourd'hui qui, qui, qui n'a jamais entendu de l'analogie ne peut pas forcément savoir de quoi on parle mais c'est vrai qu'il y avait une magie de la bande qui existait, qu'on essaye, on essaye depuis des années de galoper derrière, mais le, tous les processus numériques n'arrivent pas à imiter euh, le, justement cette magie de la bande qui consiste en gros à euh, en fait une, une sorte de, 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 de production d'harmonique par rapport à un signal donné. Par exemple, si on fait une sinusoïde toute bête. De il va représenter le, le son Le son, mais on, même on part d'un son pur et on l'enregistre sur une bande. Euh, et, 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 et avec très, très peu de choses, avec un, un peu justement de saturer un un ampli saturer la bande, on arrive à créer des, des harmoniques qui enrichissent le son. Et, et, et ça, on, on, avec des, des amplis à, à lampe, des amplis à, à, à transistor, on voit très, très bien l'effet que, que, que ça faisait et qui donnait une sorte de richesse, en fait. Mmh, un au peu son. ce qu'on appelle la chaleur du la son. chaleur du son voilà des basses plus amples etc ce qui fait qu'on a aussi un attachement au vinyle mais qui a aussi d'autres défauts le, 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 le numérique en fait quand c'est arrivé on a été assez surpris c'est à dire que il y, y, y avait une possibilité de euh, presque pleine de tout quoi alors que euh, les principes de diffusion, d'écoute, d'acoustique font que le, ce, ce, cette trop grande plage dynamique, cette trop grande définition, ben en fait, euh, crée plus de problèmes aussi. Enfin, en, en créer, il va falloir en maîtriser. Donc, au début, et je me rappelle avoir, avoir commencé à traiter le son de manière beaucoup trop dynamique et, et, et beaucoup trop large dans, dans le spectre. Euh, ça ne s'entend même pas, d'ailleurs, parce que si on arrive dans, dans les... Euh, partie des fréquences qui sont les plus aiguës, l'oreille humaine ne bah, va pas les capter. Donc finalement, cette différence-là, est-ce qu'elle est vraiment, euh, euh, disons, oui, euh, est-ce qu'on peut la ressentir en tant que spectateur bah, Si, 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 on a quand même malgré tout un, un discernement possible. On entend, c'est vrai qu'avec l'âge, on, on perd un peu, de, surtout dans les aigus. Ça, ça stasse, mais ça n'empêche pas qu'entre 20 Hertz et 20, 20 kHz, c'est quand même une plage assez, assez grande, on, on est capable d'entendre ces, ces sons-là et potentiellement de les restituer à travers des, des, des systèmes audio. Euh, mais malgré tout, le, le danger, c'est que ça devient très très vite, par exemple, agressif euh, si on ne traite pas assez cette partie dans l'aigu. C'est quelque chose qui est très très sensible notamment par rapport à des systèmes euh, comme au cinéma ou où, 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 où en sonorisation ou ces systèmes de, pour l'aigu pour, pour que le son soit projeté loin c'est des systèmes à, à trompe et qui peuvent rendre le son très agressif si on ne le maîtrise pas et, et, le, et le numérique en fait la bande a apporté naturellement un, un effet de compression sur, sur ces sur ces fréquences-là. Donc ça adoucissait finalement et, 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 des choses qui pouvaient être dures à l'oreille. Voilà, c'est exactement ça. Et, et, et avec le numérique, on, on peut, si on ne le maîtrise pas, euh, aller dans des niveaux très très forts et très gênants pour l'oreille en fait. Donc euh, je, je vois finalement que tout mon parcours dans mon rapport entre l'analogique et le numérique, c'est euh, évidemment moi j'ai en gros travaillé que dans le numérique, mais en m'inspirant énormément de, de, de ce que produit... Les, oui, les, des qualités de l'analogique. Je pense que c'était important. Sur, en tout cas, ouais, ça m'a marqué. C'est quelque chose, une déjà. écoute. Ouais. Ben oui, parce que le, le son, c'est aussi beaucoup de références culturelles par rapport à sa mémoire auditive. Donc, mm. euh, ça m'a quand même beaucoup aidé en fait, à revenir. Et, et j'y reviens de plus en plus, finalement. Pourquoi, pourquoi quand on écoute un vinyle, il y a aussi y a une part de frustration parce qu'il y a, y a trop de crachotis, il y, y, y a une usure de, de, du support, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est très, très satisfaisant. Mm. Euh, parce que toutes les technologies, c'est toujours pareil. On se dit « Ah, c'est génial oui. !» Oui, mais, mais quoi C'est-à-dire que c'est génial, mais quoi euh, Est-ce que c'est vraiment génial Parce qu'en fait, on a l'intuition. C'est-à-dire que même avec le... Si on fait un détour par l'image, dès qu'on revoit une, une projection à 35 mm, mais on est juste ébloui par euh, ce que c'est que le 35 mm. mm. Une projection Et à 35 moi, les expériences que j'ai eues de projection en 35, c'est qu'effectivement, tu as des traces sur la bande, tu as des espèces d'éléments de pa parasites dans l'image, et tu les oublies très vite. C est, c est, ça te gêne plus du non, tout. Parce que c'est au contraire, on, voit, on apprécie le grain, des choses comme ça. C'est une vie, c'est une, une vibration, et, et dans le son aussi, on, on est sensible à ça. Puis de toute manière, le numérique, ça, ça reste quand même un, un morcellement du temps. C'est-à-dire que c'est. Euh, donc donc il y a des numérisations qui sont plus ou moins bonnes. On est dans un système qui restitue bien les choses, mais ça n'empêche pas qu'on morcelle les choses. Donc euh, on ne va pas aller jusqu'à. C'est dur d'analyser ce qu'on perd, mais on, mais on perd forcément quelque chose malgré tout. D'où le côté qu'on appelle froid du numérique. Froid, oui. Parce ouais. que c'est aussi cette, cette saturation possible de tous les, toutes les fréquences finalement dans le son. Quoi. Ouais, mais c'est dur à analyser, hein. même pour quelqu'un qui le pratique. Et pour... Parce que, en fait, euh, c'est extrêmement pratique, le numérique. C'est tout d'un coup, bah, voilà, euh, si je veux avoir un disque dur qui fait maintenant cette taille-là, mmh. je peux avoir euh, des milliers d'heures d'écoute que je n'aurais jamais le temps dans ma vie d'écouter de sons, de banques de sons. Mmh. Et euh, ça remplirait tout le tout, le <laughs> des, tout des stocks de bobines tout l'auditorium si et dirais, euh, voilà si c'était en magnétique en magnétique point. donc c'est mais alors à quoi ça sert d'une certaine façon parce que si tu peux faire des milliers de sons euh, au moment où toi tu arrives à faire le mixage le montage son si tu as trop de choix bah, c'est pire que si tu as euh, quelques bande magnétique et tu dis bah, je vais utiliser ça, ça et ça, je ne peux pas faire autrement et euh, d'une certaine façon, ça va plus vite que d'avoir à choisir dans des milliers de sons numériques euh, entassés dans un disque dur. Oui, mais c'est comme une orgie, en fait, le numérique. Est-ce est, est que c'est bien Non, c'est-à-dire qu'après, moi, je suis plus pour les champs choisis. Le, 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 tous les systèmes qu'on a maintenant, ils sont à un nombre de pistes illimitées. Euh, pourquoi C'est une bonne question. C'est-à-dire que moi, je préférerais Sûrement qu'on qu se retourne à quelque chose de, de, avec des sons qui ont plus d'âme, qui sont plus choisis, et qu'on est euh, ce, qui, ce, qui ce qui a enflé aussi le nombre de pistes, c'est le fait d'avoir un son multicanal aussi, c'est-à-dire que là maintenant, faut alimenter. Euh, Alors là, on parle de, son, de la restitution autre chose. du son dans oui, la salle de cinéma, mais ça compte, bien sûr. Mais ce qui n'empêche pas de faire de la mono et un bon mono et de euh, voilà. Mais, mais de toute manière, la, 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 la prolifération des sons annule les sons, c'est-à-dire que. Il n'y a rien de plus beau que de voir un film d'Antonioni, de voir un film de Taki. En mono En mono ou pas forcément en mono, mais c'est juste le fait qu'il y, y a un vrai choix de faire entendre ce son et d'en annuler d'autres. Et, et, et c'est des histoires de focalisation. Mmh. Que c est, c est, et, et, et aussi parce qu'il y a une mise en scène du son. C'est peut-être Bresson qui va encore et plus bon, loin là-dedans euh, parce bon, qu'il élimine et il va faire que un bruitage, ou la voix, ou la musique. Et c'est tout. Voilà, et quand il croque sa pomme, dans le quand on est, mort, est échappé on l'entend la pomme. Enfin, oui. C'est <laughs> ça. C'est quelque chose. quoi. Donc Mais... après, la restitution dans la salle va être effectivement différente à partir du milieu des années 1990 parce qu'on va avoir du 5.1. Et à partir de là, on a cette possibilité d'avoir un son surround et de, de distribuer six canaux différents dans la salle. Donc, de choisir, de faire ressentir plus de basses ou plus d'éléments qui semblent se déplacer dans les haut-parleurs. Effectivement, ça, finalement, le travail de l'ingénieur du son, il va être euh, plus complexe, euh, plus ample, euh, plus de choix. Euh... En fait, c'est pas tant l'ingénieur du son. L'ingénieur du son, ça se passe toujours. Non, euh, en, au, en fait, de... je voulais dire le mixeur son. Oui, le, le, ouais. le monteur son, le monteur son, euh... le, monteur ouais. son et le mixage. Parce que au niveau du plateau, en fait, ça reste extrêmement centré sur le, la, la captation des voix. Ça, c'est vraiment le matériau euh, sensible et indispensable. Et on fait tout pour les capter et, et, et éviter le. De trop de post-synchro. Ouais. On a vraiment cette tradition en France d'avoir des Ça ingénieurs du France, son très ouais. très forts et qui. qui voilà, on va, on va essayer vraiment de, de. Donc il faut organiser les choses pour vraiment capter les voix. Et après, tout ce qu'on peut capter euh, par ailleurs, euh, propre au tournage, bah c'est formidable, mais c'est un peu du bonus et à la fois tout se reconstitue un peu. Et c'est là où justement il peut y avoir un travail extraordinaire des, des preneurs de son sur un tournage, c'est le fait d'enregistrer de, 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 des sons spécifiques au film. Quelque je... qu'il n'y ait aucun autre son dans la bande-son qui n'ait pas été enregistré pour le film. Et ça, justement, ça existe. Justement, toi, au début, tu étais sur le plateau ou tu as tout de suite été non, plutôt en, dans la post-prod, dans les auditoriums En fait, j'ai été stagiaire d'un ingénieur du son qui s'appelait Jean-Claude Loreux, qui était un ingénieur du son de, de Louis Malle, de Kieslowski, par exemple. Et, euh, et donc moi j'ai fait des tournages avec lui en stagiaire sur un film d'Anne Fontaine qui s'appelait Nettoyage à sec et de Michel Piccoli qui s'appelait Alors voilà. Euh, et là j'ai découvert que le que, bah en fait que le, le tournage c'était pas vraiment pour moi. Mais c'était sans doute parce que je suis un peu frileux. <rire> <rire> Il fait froid le matin sur froid, les tournages. Ah ouais, c'est froid oui. Non et puis et puis non mais c'est surtout que le c'est ça très personnel mais c'est par rapport à des euh, je crois des, des effets de concentration, c'est-à-dire que moi, moi j'adore être dans ma bulle toute la journée, être concentré sur le sur euh, voilà un, un, un mixage toute la journée. C'est quelque chose sur lequel j'ai l'impression d'avoir une vraie euh, une vraie acuité, une vraie relation, une vraie compétence quelque part. Tandis que le prendre sur un tournage, ben, on est en train de boire des cafés, on est un peu cool tout ça, et puis tout d'un coup ça va être un rush de fou. Il faut <laughs> tous se rassembler, et être là, prêt comme ça. C'est des zigzags comme ça. Et ça, ça moi, moi j je crois que j'y arrive pas bien. Okay. Et avec Jean-Claude Loreux, tu peux nous donner quelques indications de comment tu as travaillé, qu'est-ce qui se passait, est-ce que tu tenais la perche, est-ce que, est que tu installais des micro-cravates Après, c'est tout le rôle d'un stagiaire, d'un second assistant, c'est-à-dire bah, sur, sur certaines scènes où euh, bah, avec un seul, seul percheman et les HF, ça ne suffit pas, donc il va me demander de, de faire un petit, un petit renfort. Il a très vite vu, vu que j'étais pas très bon à la perche. <laughs> Donc, il m'a demandé de, de, de faire autre chose. Mais il m'a surtout envoyé beaucoup faire des sons seuls, propres au film. Et ça, ça a été vraiment extraordinaire parce que je les enregistrais, je les, je les lui ramenais, il écoutait, il me dit ça va pas du tout, <laughs> retourne là-bas, retourne là-bas. Parce qu'en fait, souvent, un, un tournage arrive. Je me souviens de, dans, dans le film de Piccoli, on va dans une, une cour d'immeuble faire un tournage. En fait, la seule présence de l'équipe de tournage, annule tous les sons. Enfin, on annule une partie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les pigeons qui viennent faire leur vie au milieu de la cour, il n'y a plus les enfants parce qu'on leur dit de ne pas faire de bruit, il n'y a plus de vie du tout parce qu'on bloque, voilà, on va bloquer quatre fois autour les voitures. Donc, on est dans une sorte de vide au profit des voix et puis au niveau de la tranquillité du tournage, etc. Mais après, il faut reconstituer tout ça. Donc, après, ces bruits de cour de cette... Tous les sons qu'on... Qui vont vraiment habiller de manière fidèle la, cette cour dans le 10e arrondissement de Paris. Euh, soit bah, on va chercher ça dans d'autres films où on, fait des, on ajoute des sons qui n'ont rien à voir, mais on les met là et puis ça marche. Soit bah, il voilà, y a toute un, une volonté des monteurs-sons, du mixeur, de l'ingénieur du son et aussi de la mise en scène de vouloir restituer quelle est, quelle est cette euh, ambiance dans cette cour. Donc ils me renvoyaient trois jours après que le tournage est passé. Ils savait que ça, on avait sans doute besoin de ça. Il y, a eu, il y avait eu tel plan, tel plan, tel plan. Donc il faut une, une ambiance de cage d'escalier, etc. C'est toi qui allais faire donc, ce qu'on appelle les sons seuls, c'est-à-dire tout ouais, seul, ouais, avec ouais. Euh, donc un enregistreur ouais. et euh, prendre les, les pigeons et faire dialoguer les pigeons, les bruits de la cage d'escalier, des enfants qui jouent dans la cour, les voitures autour. Euh, chaque fois, tu vas quatre, enfin, indiquer que tu as enregistré tel son, tel son, tel son, qui vont ensuite être utilisés par le monteur son Exactement. pour restituer finalement. Euh, les sons ambiants, ouais. euh, qui vont permettre de, de, de ressentir que c'est une vraie euh, vie dans un, dans un immeuble à Paris. Exactement. J'avais été stagiaire sur euh, « Ceux qui m'aiment prendront le train ouais. », Patrick Patrice Chéreau, et on Chereau. faisait euh, « Paris-Mulhouse-Mulhouse-Paris », c'était quand même un voyage pour rien <laughs> Et donc là, j'enregistre. Je... Ouais, parce que là, c'était dans un vrai train. Ah, alors, que vrai des train, fois, ouais. on peut mettre ouais. un train non, dans non, un non. hangar et puis avoir euh, derrière des, ouais. des faux, soit des fonds verts, soit faire défiler ce qu'on veut derrière. Absolument. Mais là, donc, c'était ah, un non, là, vrai c vraiment, passage. Ouais, ouais. C'était dans un vrai train, les acteurs. On, en fait, un, on utilisait le Paris-Mulhouse euh, normal et il y avait euh, deux, deux, trois wagons qui étaient euh, réservés, réservés à l'équipe de son âge. Plus un autre, un, un wagon, enfin une sorte de wagon dans lequel il y avait un, un groupe électrogène pour pouvoir avoir assez de courant pour les projecteurs, etc. Et on se faisait arrêter tout le temps par les, les agents qui surveillent les voies parce que ça dégageait de la fumée. Donc euh, il <laughs> y a un problème <laughs> sur ce train. Je pense qu'on a procuré un, un retard assez conséquent sur ces quelques <laughs> allers-retours. Et, euh, et, et le groupe et, électrogène, et... il fallait qu'il soit pas trop près euh, non, non, du non, tournage euh, pour qu'on puisse capter avec les le bruit voies. Du train, sans... Ça va, ça va. D'accord, ok. <laughs> Mais le mais c'est là où il où, où y, y a tout un travail. Euh, c'est là, là où on apprend son métier euh, par, par, par le fait de faire ces prises de son, parce qu'on comprend à quel point, plus tard en voyant le film ou en accompagnant le monteur son, à quelle utilité ça a eu. Et puis on découvre plein de choses. Par exemple, je me souviens très bien d'avoir été assez frappé. J'avais jamais analysé, mais j'avais enregistré des sons en première classe et en seconde classe. Et je voyais que finalement, il y avait une isolation acoustique qui était plus importante en première classe qu'en seconde classe. Donc voilà, clair. il y a un privilège acoustique qui n'est pas négligeable. Bien sûr, ouais. Et bah, qu parce paye. que les fauteuils ne sont pas de la même consistance, oui, parce qu'il y a de la moquette, parce qu'il y a des éléments qui ouais. vont faire que ça va absorber ouais. les sons ouais. de façon bah, beaucoup plus nette. Mais là, quand tu fais ça, euh, dans ces allers-retours, toi, tu vas participer à l'enregistrement des voix et en plus de ce que je me souviens du film c'est un peu chaotique il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps qui se lèvent qui bougent dans le, dans le wagon etc. donc ça devait pas être très très simple à enregistrer et en plus après tu vas faire des sons seuls aussi pour bah, pouvoir sur, sur, euh... sur ce film là je fait que des sons seuls je pas ah, participé okay. à, la, à, la, à la captation sur le plateau enfin okay. sur, euh, des voix ouais. D'accord. Et donc, voilà, c'était reprendre le train après, j'imagine, pour enregistrer. Euh... Oui, mais ça suffisait, en fait, pendant que j'étais dans. Puisque le train roulait, en fait, j'avais vraiment la ah, possibilité oui. de faire Ah oui, tu allais dans, son les, son autres wagons, voilà, dans fait, les autres wagons. Voilà, dans les autres wagons, etc. Ouais, ouais, pour okay. les annonces. Enfin, en fait, il y, y a plein, plein de strates comme ça dont on a besoin après pour le... pour le mixage du film. Et donc, là, tu fonctionnais avec des DAT, avec des systèmes d'enregistreurs numériques déjà Oui, oui. Euh, ben je me souviens, c'était Guillaume Siamal, l'ingénieur du son, et si ma mémoire est bonne, il enregistrait lui avec un Nagra D. Euh, je crois que le, ça s'appelait bien comme ça. Euh, oui, le, le Nagra numérique, oui, oui, quoi. Oui. Et puis moi, j'avais un DAT... Encore une bande magnétique Non. non, C'était tout dans oui, un... Oui, c'était un disque dur. D'accord, hein, ok. Et, euh, et moi, non, non, j'avais un DAT avec ce qu'on appelle un couple stéréo, en fait, pour, pour capter le... Voilà les sons du train donc, des micros qui permettent de capter dans oui deux avec la technologie qu'on appelle AB c'est-à-dire que ça reproduit le plus fidèlement on dit de la, la perception des euh, oreilles des, des oreilles voilà il y a un écartement de 17 cm des capsules avec un angle de 110 degrés entre les capsules donc ouais. comme si c'était un peu la oui, tête oui, oui, qui permettrait d'écouter ouais. en stéréo Et ça c'est un système qui a été inventé par par des français qui s'appelle le coupleur RTF c'était inventé à à l'époque bah, de l'ORTF L'ORTF par Albert Laracine, euh, quand je suis en professeur à Lumière. Ouais, D'accord. Ouais. Euh, on va préciser que l'ORTF, c'est l'Office de radio-télédiffusion française qui ouais. a fonctionné depuis la création de la télévision française jusqu'en 1974 75 au moment sous Giscard où ils vont démanteler l'ORTF et créer différentes chaînes. Mm. Alors, ça, c'est pour les gens qui ne euh, connaissent pas <laughs> l'histoire de la télévision française, mais même il y a plein de gens aujourd'hui qui ont oublié. Mm. Que ça voulait dire au RTF. Mais ils et ont toujours eu un rapport très très avancé sur le son euh, RTF Radio France, beaucoup de recherches et puis il y a une qualité sonore quand on écoute France Culture par exemple, on, on peut s'en rendre compte. Bien sûr. Oui. Euh, mais il y a d'autres. Euh, ouais toujours aujourd'hui en fait. Toujours aujourd'hui oui, oui. il y a une qualité qui est extraordinaire. Donc là ça c'était premiers films et ouais. euh, où es sur le plateau ou en tout cas en train oui, de faire les sons seuls. Mais seul. tout en tout en comprenant très vite que moi je vais me retrouver plutôt euh, en montage son et ma chance aussi c'est que c'est que Jean-Claude Lheureux était aussi monteur son. Euh, donc en fait, j'ai commencé des post-productions avec lui et je crois que la, le premier vraiment film pardon, le premier film que j'ai fait avec lui en assistant, c'était Voyage d'Emmanuel Finkiel. Ah oui, Emmanuel Finkiel. Ouais. Euh, et là, c'est vrai que c'est un moment euh, où je vois bien la transition justement de, entre, entre l'analogique et le numérique parce que euh, l'ingénieur du son s'appelait Pierre Gamet un des plus grands ingénieurs du son de, de son direct en, en France et, euh, et lui il ne, il ne livrait pas euh, forcément des, des ce qu'on appelle les, des, des multipistes ou des, des, des avec des, des micros séparés en fait il faisait son mélange c'était son mélange donc il tu prends énormément sur le de plateau, à la fin enfin oui. il, il avait déjà fait une sorte de pré-mixage avec quasiment tout ce qu'il allait donner euh, était tout prêt pour le pour le monteur son donc peu de choix finalement après euh, pour le monteur. Très peu de choix mais beaucoup de choix en amont. C'est ça qui a... Une, le, le plus gros changement euh, avec vraiment l'avènement numérique, est ce que ça a permis, c'est-à-dire d'enregistrer sur plusieurs pistes séparées. Euh, ben, à l'époque, en fait, les ingénieurs du son sur le plateau, ils euh, livraient quelque chose qui est tout à fait écoutable et qui pouvait être vraiment le son presque définitif d'une scène, jusqu'à, par exemple, euh, se, se, se mettre un micro au niveau de, de sa console. Euh, de, de son agra, il y avait le, le, son, le, le son du micro qui était enregistré de, du perchman, Mais il se mettait aussi un, un micro près d'eux pour faire les pas en, en direct. Pour ah, carrément, carrément. faire le pour, pour livrer quelque ah, chose. Ça, je savais pas bon, hein. ça c'était, faut dire, <laughs> peut-être d'une fantaisie, mais, mais euh, en tout cas, on me l'a raconté, même si je ne l'ai pas vu. D'accord. <laughs> euh, mais en tout cas, Pierre Gamet, la, la force qu'il avait, c'est-à-dire que. ça, ça m'a toujours frappé parce que. Je n'ai jamais rencontré, re, re, retrouvé un son direct comme ça. Parce que dans ce son direct, lui, il avait la pression de. Euh, c'est le son du film. Voilà. Et il faut que je le fasse maintenant. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie qu'il met, le rapport entre les HF, le, le rapport de phase entre les micros. Il rassemblait tout ça, il faisait son équilibre et il livrait ça. Oui, alors ça, c'est très intéressant, cette opposition, finalement, entre le son plateau et, et le monteur son. Enfin, opposition ou complémentarité, hein, mais. Euh de ce que j'ai lu, ça existe toujours. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préparent euh, presque tous les sons, euh, qui regroupent déjà, qui sélectionnent un peu. Et euh, euh, au montage son, euh, au contraire, il y en a d'autres qui donnent toutes les pistes séparément, euh, sans qu'il y ait finalement une présélection qui soit faite. Après, c'est plus vis-à-vis, -vis, si tu veux, d'un. Mettons qu'il y a un tournage, il y a un, y a un plan qui se tourne. Et soit en fait, le, le, et mettons que tu es plusieurs comédiens qui vont prendre la parole, euh, soit l'ingénieur du son, euh, justement à l'époque de Gamay, un peu, va, va, va faire un mix de toutes ces interventions et va livrer presque un mix, on mmh, va dire. Mmh. Soit euh, on, on, on va pouvoir livrer euh, l'intégralité des microphones de manière séparée et sans modulation. Ce qui change un peu tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a, y a juste quelque part une captation. Oui. De la, la plus belle des manières d'un point de vue technique, mais il n'y a plus ce travail de, du moment. C'est-à-dire, euh, bah oui, il y a eu cette valeur de cadre, euh, les comédiens sont apparus euh, à cette distance-là, distance -là, sont intervenus d'une telle manière, et bah, euh, voilà, il y a quelque chose qu'on sent, et puis on accumule, il y, y a plus de 1000 plans dans un film. Hmm. Hein, donc euh, c'est ce travail-là qui peut amener un ingénieur du son et qui, et, et qui est euh, passionnant là, à, à ingénieur récupérer du son plateau. Ingénieur okay. du son plateau. Ouais. Et là, en fait, avec le numérique et le côté multipiste qui sont arrivés, on a perdu en fait un, 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 potentiellement ça, parce que tout d'un coup on, on, on reçoit une captation et après il faut remodeler ça euh, à travers euh, à travers le travail de montage son et de mixage. Mais disons que tout d'un coup, ça fait les, tout un trajet qu'on ne fait plus euh, sur le plateau, mais qu'on fait a posteriori. Oui. Alors est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ça, il y, 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 y a vraiment des ingénieurs du son qui, qui détestent avoir perdu cette euh, cette partie du métier mais euh, maintenant voilà les choses évoluent et que et, et, et tout cet équilibre on le fait maintenant vraiment en post-production donc tu vas mettre à ce moment là des sortes de distances ou c'est comme si tu recréais la perspective tout. sonore ouais. euh, la position des personnages dans la dans l'espace euh, avec euh, le numérique où tu vas rajouter du souffle ou du de oui, des ou échos, des, des distances, des échos, euh, des, le ouais. timbre, etc. Et on va le on va travailler individuellement, euh, parce qu'on a accès à des micro-cravates la plupart du temps pour chaque comédien, plus une ou deux ou trois perches, euh, plus des perches stéréo, parce que comme ça s'est multiplié, alors évidemment, à tout mélanger sur le plateau, c'est extrêmement risqué. Ouais. Et puis, euh, il suffit que les, les, les dialogues s'enchaînent mal, etc. Le HF n'est pas ouvert, on ne l'a pas. Voilà. C'était des prises de risque, mais il y avait des artistes pour faire ça. C'était vraiment des, des... C'est peut-être ça, en fait, la grosse différence, finalement, entre l'analogique et le numérique. Même si c'était déjà euh, avec des enregistreurs numériques, il y avait cette continuité d'une tradition de euh, je dois à peu près donner un truc qui est. Terminé oui, parce le que les, les premiers en enregistreurs numériques, ils étaient certes numériques, mais ça, ça apportait pas forcément plus de pistes au, au début. Un DAT n'avait euh, que deux pistes et puis hum. euh, ça ne changeait rien par rapport à un Agra, qui en avait deux aussi. Oui, enfin, c'est ouais, ça. Donc, euh, Finalement, ouais, c'est beaucoup plus récent la, la possibilité d'avoir plein, plein de pistes partout. Voilà. Euh, maintenant, ce n'est pas que c'est limité parce qu'on on peut avoir des systèmes très compacts qui enregistrent 8, 16 pistes sans, sans aucun problème et qui se, Et puis on est limité en nombre de micros aussi, on va pas. Euh, oui, on n'a pas le temps de gérer, mais enfin on, va on peut. Pas gérer a, on... 20 micros en même temps, ah, ça, ça Il y a certains films qui vont, euh, qui vont nécessiter ça. D'accord. Je pense que le prochain film, enfin le, le film que va faire. Euh, euh, son nom va se mettant en scène de théâtre euh, formidable. Qui a fait la Révolution française, Cendrillon. Euh, au théâtre ah, Oui. Euh... Bon. On va toujours essayer de... A... Non, mais on va le trouver. Si, oui, Joël Pomeroy, voilà. Merci. Donc, merci. <laughs> un du peu théâtre, vrai. Lui. Donc, Joël Pomeroy, il, il va adapter euh, sa pièce sur la Révolution française. Et quand ouais. on a vu la pièce, on voit à quel point il y a un travail incroyable. Mais... Voilà d'une de, de, de vingtaine, trentaine de comédiens qui enchaînent, etc. Et là, là, là il, va avoir, il va y avoir besoin sur le tournage d'avoir simultanément okay. une vingtaine de micros. Ça oui, va, parce ça que c'est vrai qu'il y a plein, plein de comédiens qui parlent ouais. presque en même temps, enfin dans la version sur scène déjà, et quelqu'un qui prend le micro de temps en temps, ouais, ils se battent ouais, pour prendre le micro, ça, voilà. et les autres veulent parler, donc effectivement, mmh. il faudra rendre tout ça sur le tournage. Ouais, okay. Ouais. Okay, ouais. Bon, après, c'est très spécifique, la plupart du temps... Il 3, 4, 5 comédiens. <laughs> D'accord. Euh, là, on est dans tes 3, 4 premiers films où tu es encore sur le plateau en train de faire des sons seuls, ce qui est très important et qui existe toujours aujourd'hui puisqu'on a besoin d'avoir ces sons qui vont permettre de recréer les ambiances, qu'on va euh, rassembler ensemble pour faire le mixage à la fin. Et euh, au moment où tu décides que tu es vraiment mieux dans les salles de mixage, euh, ben, es, c'est vers quel film ou qu voilà, quelles sont tes, tes, tes expériences à ce moment-là euh, après, moi j'ai commencé par le montage son en fait. Euh, qui oui, une... d'accord. Ouais. Peut-être précise un petit ouais, peu. Oui, parce qu'aussi ce qui s'est passé euh, à la fin des années 90, on va dire, c'est que en fait, le montage son, il était, euh, il était quand même un peu dévolu aux, aux assistants images. C'est-à-dire qu'il y avait une relation euh, de ce travail de montage son euh, qui, était, qui appartenait plus à l'équipe image. Euh, en tout cas, ce qui a duré le plus, le, presque le plus longtemps, c'est le montage des directs par les assistants images, aussi parce qu'ils connaissaient très très bien, en fait, le, le, on vivait, ils vivaient avec le, le film pendant 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 des tout mois, et, 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 et donc ils avaient une, évidemment une connaissance des rushes, des doubles qu'on peut aller prendre, etc. Et, et tout ça se passait encore à l'époque du, du 35 mm. Hein. Euh, et il y a eu cette fameuse transition où là, tout d'un coup, il y a Alors eu... Tu veux même... dire, le passage du 35 mm à l'image numérique Non, euh, non, non, euh, même, encore. Au, même au niveau du son. Un, on, on travaillait euh, en, à l'époque en faisant du montage euh, sur bande. Ouais. <laughs> et, et là, le, la transition qui a, 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 a été majeure, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les Digital Audio Workstations. Euh, donc on, a, on, a, on a eu des, des, des sociétés qui s'appelaient euh, bon, Pro Tools, par exemple, enfin des logiciels qui s'appellent Pro Il euh, y a eu euh, donc, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, le, le DD1500 de Akai, cette euh, marque-là, qui faisait ce, ce système. Enfin, toujours est-il que ça, c'était les, les premiers systèmes numériques multipistes qui permettaient de, de faire un, 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 un travail sur la bande-son du film. Et c'est ça qui a été adopté. Très vite. Et là, il y a eu un, un phénomène de transition assez fou qui est que, que tous ces gens du cinéma qui avaient cette tradition de l'analogique, euh, il y a tous les ordinateurs qui sont arrivés, il y a eu toute une génération de, de, de nouveaux opérateurs, de, 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 de jeunes comme moi entre, à, à l'époque en, sortant des, en sortant des écoles, avec un rapport aux ordinateurs qui était forcément. Euh, autre que des voilà, gens qui n'avaient jusque-là pas trop eu l'habitude d'utiliser des ordinateurs. Et euh, quelque part, bah voilà, le, le, le métier s'est créé lui-même, quelque part. Ouais. Donc, en fait, les assistants images qui étaient sur le plateau savaient que tel enregistrement correspondait à tel acteur en train de faire ça, etc. Et donc, ils aidaient le monteur, la monteuse à mettre tel son pour tel plan euh, c'est-à-dire une sorte de montage son euh, avant qu'il y ait un mix euh, final oui puis il y avait même une travail, un travail sur le son en place, euh, pas vraiment sur l'image mais qui se prolongeait justement par les assistants images ou par le monteur image lui-même hein, qui faisait du montage son parce que tout d'un coup, il allait re remplacer une syllabe parce qu'il allait la prendre dans un autre plan, etc. Ce que fait aujourd'hui un monteur son des directs ou un monteur son. Mmh. Euh, mais ce sont des, devenus des, des, des métiers vraiment dédiés. quoi. C'est-à-dire que ça a pris vraiment son ampleur dans cette transition-là. Ah oui, parce euh, que justement, il y avait les logiciels et les ordinateurs. Les ordinateurs et les ordinateurs, et ça impliquait comme toute une génération, en fait, euh, dont j'ai fait partie. Qui, tout d'un coup bah voilà on, on était là pour manipuler euh, ces ordinateurs qui jusque là n'étaient pas euh, qui étaient quasiment absents en fait des, des salles de montage de montage -chon. donc là on est au début des années 2000 en fait voilà enfin, ça ça commencé un petit peu avant mais en tout cas j'ai pris ce train là quoi voilà euh, et donc après sur, sur, ces, sur ces premiers films j'ai été assistant sur des films d'Olivier Saya sur les destinées sentimentales sur Sade » de Benoît Jacquot euh, mais j'ai fait très peu de films en tant qu'assistant, ça a été très vite. Donc je suis sur une période de deux ans. Après, je suis devenu chef monteur son euh, très vite. En fait, Benoît Jacob m'a fait confiance sur Tosca. Puis après, de fil en aiguille. Euh, voilà. Et alors, est-ce qu'à ce, euh... ce moment-là, le fait que tu aies aussi des capacités de musicien, ça a aidé par exemple pour Tosca et pour enfin, le moment où tu dois faire le choix entre différents types de sons parce que tu es dans le montage son euh, Et est-ce que les réalisateurs, ils se sont rendus compte que tu avais aussi cette. Euh dextérité. Euh... Bah, ils s'en sont peut-être rendus compte de manière inconsciente, mais de toute manière, la musique m'a toujours euh, aidé de tout temps dans mon métier de, de monteur son ou de mixeur ou dans mon métier d'ingénieur du son, parce que ça reste... Euh, les, les, les sons d'un film c'est comme une, enfin en tout cas pour un montage c'est comme une partition hein, c'est si jamais on empile les sons exactement à la même fréquence on n'entendra rien du tout mmh. et c'est gênant tandis que l'art de faire du montage son et du mixage c'est de, 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 de réaliser quelque part la coexistence de, 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 de plusieurs sons à la fois et que ça prenne sens et que ça s'alimente et que tout ça, c'est une nourriture au fait, euh, auditive, et puis que ça prenne sens, évidemment, vis-à-vis -vis de la mise en scène, ce n'est pas gratuit. Donc, comme un pupitre de violon, Mais et, puis ça. As ça les que... cuivres, et puis tu as les cuivre, et puis il faut que tu réussisses à doser tout ça. Bah, il y a une réflexion et... vraiment à avoir par rapport le, au, au type de son qu'on qu qu met dans une bande son, parce que justement, on reconstitue ce que ferait un orchestre, ou... ça va exactement dans le même sens. Enfin, c'est très, très musical aussi, hein, ce qu'on fait. Donc, au moment du montage son, tu as particulièrement cette... Euh nécessité finalement de savoir doser euh, ce que tu vas mettre en avant et comment euh, finalement tu vas faire ressentir le plan euh, au niveau sonore parce que tu as choisi euh, les différents éléments qui ont été enregistrés sur le plateau plus des choses qui peuvent être faites en auditorium, mmh. en post-production, euh, que ce soit du bruitage ou euh, la post-synchronisation des, des acteurs. Donc euh, là, euh, c'est... Benoît Jacquot, il va te demander de faire ça, de, 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 de disons de travailler avec le monteur pour choisir les sons en tant que monteur son euh, sur euh, Tosca. Euh, sur, sur, sur Tosca, oui. Après, il n'y avait pas énormément de montage, enfin, de, de sons additionnels dans Tosca. Il n'y en avait pas énormément. Il y avait surtout du bruitage, mais, mais ça reste un film très particulier dans des fonds noirs et euh, on reste quand même sur le chant principalement et sur l'enregistrement. Euh on avait fait à, à *Bill Road*, euh, mais après sur d'autres films, c'est pas qu'il demande jamais les choses de manière euh, frontale en fait. Après, c'est du ressenti, c'est de se dire euh, voilà, je, je, voilà je, je vois ma scène. J'ai un, un réalisateur, c'est quelqu'un qui, qui a des fantasmes, qui a un jour, dix euh, ans auparavant ou trois ans auparavant, à rêver une scène et puis il la voit et puis c'est ce que il y a une euh, une réunion de l'image et du son qui, qui traduisent son sentiment, ou par rapport au film, à la dramaturgie, est-ce que ça vient au bon moment, etc. Est-ce qu'il y a la bonne dose -ce que Donc c'est on... plus implicite qu'explicite finalement Total, à ce moment-là. totalement. Et puis l'image, le, le... c'est facile de dire ben bah, voilà, c'est bleu, je voudrais que ce soit vert. Donc, on peut le dire le son. Euh... T'es pas très sympa avec les, non, les mais... chefs <laughs> fait... Non, mais c'est ont... plus facile d'en parler. C'est-à-dire que le son, ça reste Ah oui, oui, oui. Manière... Ah, effectivement, oui. C'est moins palpable les et c'est ouais. bien pour ça qu'on a, qu a beaucoup de mal à, à échanger sur le son. Ça, ça reste très intime à mon avis et, et c'est très difficile de le de, voilà. ouais. Alors là, à ce moment-là, il y a les, les machines justement. Tu citais Pro Tools par exemple. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe sur ces machines quand tu te retrouves avec euh, la possibilité de mixer plein, plein, plein de sons bah, Disons que c'est une révolution euh, à peu près à tous les endroits. C'est-à-dire que c'est pas tant Pro Tools, c'est que tous numérisent. Euh, toute la chaîne de son. Parce qu'après, on a l'acoustique, euh, qui est le, la vibration dans l'air. Après, il y a dans, dans, dans toute la chaîne son euh, un côté mécanique, parce qu'il y a la membrane du microphone. Après, il y a une partie électronique. Là, il y a tout un moment électronique dans, dans le son, avec les traitements qu'on peut faire, etc. Puis après, on va aller exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va aller de l'électronique à la mécanique de la membrane d'un haut-parleur, et on retourne à l'acoustique. Voilà. C c'est comme ça à et en fait la numérisation du signal elle, 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 elle s'est faite bon l'acoustique on peut pas encore trop numériser la mécanique reste encore la mécanique et puis à partir d'électronique voilà on commence à numériser c'est ça qui a toute cette chaîne là des, des, des deux bornes mécaniques d'un côté mécanique de l'autre qui ont été numérisées et en fait c'est pas seulement les, les, les logiciels c'est aussi les, les consoles de mixage qui se sont entièrement numérisées et qui ont changé tout notre travail. C'est-à-dire que euh, si on revient dans des temps très anciens, et pour parler un peu de mixage, il euh, n'y avait, avait pas forcément, par exemple, la, la mémorisation des mouvements. C'est-à-dire ah, que oui. si jamais on voulait euh, mixer, euh, par exemple, une séquence, euh, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs sons, il y a des voix, là, il y a plusieurs pistes pour les voix, pour les, pour les musiques, pour les ambiances, etc. etc. Donc ça, ça revenait sur une table de mixage comme ça, sur, euh, on, on a un son un peu sur chaque fader. Euh, mais euh, tous les mouvements qu'on fait en termes d'égalisation, de réverbération, de niveau, de modulation, n'étaient pas mémorisés. C'est-à-dire qu'en en fait, ils faisaient, quand ils répétaient, les opérateurs du son... Euh, et au moment où il voulait enregistrer, il faisait il faisait play, On passait la Polar sur l'enregistreur. Le, la Polar, c'est quoi La Polar, c'est la. Le, le, pardon, le, on lançait l'enregistrement. Donc ça allait mémoriser euh, le, 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 le son qu'on allait, qu allait mixer. Donc l'enregistrement des pistes différentes qui étaient préenregistrées. qui étaient pré, qui étaient, qui étaient, qui étaient pré sur des lecteurs et qui passent à travers un. Un, un, pupitre, un pupitre de mixage, et on, on, là, on, on, on apporte justement des éléments de mixage, de niveau, d'égalisation sur le timbre, etc., des, des, des sons. Et, et ça, en fait, rien n'était mémorisé, c'est-à-dire que c'était un mouvement euh, fait en, en direct, donc à plusieurs mains, un, un, un mixeur se faisait aider par des assistants, et puis il y en a un qui tournait les boutons, etc. Et après, ce qui était donc il y avait deux trois personnes qui étaient voilà, en train de ça. chacun faire des mouvements voilà. différents pendant toute une séquence. Voilà, il y avait pas, on ne pouvait pas s'arrêter, ça devait être enregistré. Ça, je crois que les bobines, elles faisaient 10 minutes à l'époque. Il fallait, il fallait, voilà, donc c'est soit c'était un, un geste de mixage. Mmh. Après, je crois que la, la, la première évolution qu'il y a eu, c'est la motorisation, ce qu'on appelle des faders, qui nous permet de contrôler ça, hein, voilà, ouais. qui nous permet de, de, de contrôler plus fort, moins fort, en fait. Hein. Donc, de faire un équilibre. Donc, ça, le, la motorisation, ça voulait dire quoi C'est le fait qu'on on, on, on fait défiler le film, on fait plus fort, on lâche, on lâche le fader, très bien, on retourne en arrière, on refait lecture, et puis ça, ça va reproduire ce mouvement. Et l'évolution qui, qui, qui a eu lieu, euh, justement, à la fin des années 90, c'est ce qu'on appelle le total recall. Total recall parce que ça va se souvenir de tout. De tout parce ce que, qu que c'était un film de Paul Verhoeven voilà, aussi. <laughs> Et ça, ça, ça a évidemment tout changé parce que tout d'un coup, eh bien, euh, tout ce qu'on fait, bon, ça a eu mis un petit peu de temps à se stabiliser pour que tout ce qu'on fait soit vraiment fidèlement restitué. Mais ça a évidemment tout changé parce que tout d'un coup... Euh, bah, y avait, y a, y a, on a perdu quelque part un peu, un peu d'élan puisque l'élan on n'en a plus vraiment besoin puisqu'on peut faire euh, touche par touche piste par piste on, on, tout d'un coup il y a quelque chose qui s'est un peu arrêté dans un mouvement euh, où, qui, qui, qui s'imposait de lui-même moins Donc, de spontanéité moins de spontanéité ouais. et une automatisation finalement ouais. qui va se répéter euh, pour à chaque infinie. séquence on sait que ce bouton là il va il va, bon, il va reproduire il, exactement ce qu'on il va monter et descendre à tel moment voilà, pour l'ambiance ou ouais. pour euh, le bruitage ou, d'accord ouais Okay. Et donc aussi peut-être euh, plus d'autonomie pour une seule personne qui peut maîtriser énormément de pistes, puisqu'il y a l'appareil finalement qui Absolument. va euh, automatiser le geste qui vient d'être prévu. Quoi. Bah, moi, quand j'ai commencé euh, justement à la fin des années 90, un mixage, c'était entre 4 et 5 semaines. Euh, et le mixeur avait toujours un assistant. Hmm. Plus l'assistant de, de, de l'Audi, en tout cas un assistant à, à, à la console. Euh, là, maintenant, on est passé à peu près à trois semaines euh, seul. D'accord. Voilà. Donc, on voit vraiment l'évolution. Et ça, c'est vraiment le, le numérique, la, la numérisation qui a fait qu'on qu qu on, qu on, on soustrait du temps, donc du rapport au, au, au film aussi qui a ah, changé. Ouais. Ça, c'est une vraie perte en fait. Et les... Oui, parce que tu t'imprègnes moins de tout ce Beaucoup qui a été moins. livré comme matériel du tournage. Ouais. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à, à l'effort mémoriel en fait, qu'imposait l'analogique. Parce qu'à un moment donné, on, on avait, par exemple, des, aussi des feuilles de mixage. Où on était bien obligé de marquer, euh, bah, bah, par exemple, on avait, on va dire ça, mettons, à, à quatre, quatre pistes euh, en, en lecture. Mais sur ces quatre pistes, on avait une base de temps et on, était, on marquait sur une feuille, bah, sur la piste 1, de telle Timecode à tel timecode, il va y avoir une piste avec une ambiance d'oiseau qui va être relayée sur la piste 2, etc. Tandis que maintenant, bah, ça apparaît, c'est une sorte de. de on, on est plus vigilant par rapport à ça parce que c'est illimité le ce nombre de pistes mmh. et tout est, tout va se reproduire à l'infini, puis on les voit, il y a quelque chose de, de, de visuel. Oui, donc oui, oui aussi parce pratique. que ça apparaît sur les écrans, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Donc les écrans d'ordinateur, finalement, euh, vont remplacer la mémoire. Voilà. Euh, que tu avais du geste. C'est sur l'écran que tu vas voir si puis... la piste monte, descend au moment où tu as besoin d'avoir des sons d'oiseaux. Voilà. En fait, est, euh, disons avant, avant l'invasion le, 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 quelque part du numérique, on n'avait qu'une chose presque à voir, c'est l'écran, euh, l'image. Maintenant, l'image, on la voit moins, parce qu'on est, on est plus dans, le, dans, le, dans la manipulation, dans, dans toute cette... Euh, euh, mé mémoire que, 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 que nous donne à voir l'ordinateur, mais, mais, mais on est moins dans ce rapport d'immersion à, à l'image et, et, et notre travail il est beaucoup plus morcelé, quoi, beaucoup plus euh, détail par détail. Sur l'ordinateur, avec le système numérique, tu vas avoir euh, des sortes de reconstitutions des pistes, euh, des courbes euh, oui. du son. Mmh. Euh, donc finalement, c'est une sorte de mémoire visuelle. Alors qu'avant, tu étais obligé d'avoir une mémoire auditive continuelle. C'était vraiment ton oreille et ton enregistrement, toi, dans le cerveau, qui faisait que tu restituais ouais. ces éléments. Oui, ouais, tu avais forcément une concentration là-dessus qui était plus importante. Quoi. Mais bon, après, c'est tellement pratique. Et puis, il faut aussi savoir bien le vivre et s'adapter. Mais Ça a forcément, c'est le travail. Donc, le travail est différent, euh, je dirais, pour le professionnel, euh, sensitivement ou... Euh, au niveau de, même corporel, peut-être, du déplacement devant la table de mixage, des choses comme ça. ça... Oui, ça, ça, forcément. C'est-à-dire que ça, ça nécessite aussi quelque part moins de vigilance, euh, parce, que, parce que les choses vont toujours se reproduire et c'est devenu fidèle, en fait. Avant, on était souvent trahis par la technique. Justement. Donc il y avait une, une façon de surveiller quelque part en permanence, d'être en alerte, quoi. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt positif. Alors, dans les années 2000, euh, finalement, tu as aussi une sorte de constitution d'un réseau de réalisateurs avec qui tu vas travailler régulièrement, qui sont plutôt des auteurs, donc comme Asayas, Benoît Jacot. Euh, et euh, ça, ça te donne euh, le goût pour un certain type de son aussi, peut-être qui n'est peut-être pas le même que sur des très grosses productions, où toi, quand tu entends, dans, si, si tu vas en salle de cinéma, et que tu écoutes ce qui est en train de passer dans les haut-parleurs, tu te dis, moi, j'aurais pas fait comme ça, peut-être Est-ce est que, est que tu ressens qu'il y a une différence en fonction des budgets des films aussi, dans la manière de traiter les sons, de faire le, le, le mixage son en, en fait, euh, c'est une, une addition euh, un peu folle de plein de paramètres, et c'est dur à analyser. Mmh. Euh, ça va aussi de, du, du choix des comédiens, de la sensibilité d'un réalisateur, de la, de la mise en scène, comment c'est monté. Tout a un impact sur tout. C'est quand même euh, des choses qui de, de, peuvent devenir très très vulgaires, très élégantes. Après, la, le, 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 le son prend des ampleurs très très variables. C'est-à-dire qu'il a un rôle parfois purement illustratif. Euh, il peut avoir aussi un rôle très, très émotionnel, mais par des choses très simples. Le timbre d'une voix peut être extrêmement émouvant. C'est-à-dire que... Ce, le, le, je pense qu'il y, y a une expérience qui est toute bête à faire, c'est quand on voit, par exemple, la photo de son grand-père que, que l'on a plus, euh, bon, ça crée une certaine émotion. Et si on réécoute sa voix, alors qu'on ne l'a pas de écoutée depuis des années, est je est je pense la la le bouleversement, il est, ça n'a rien à voir. Bien sûr, oui. Et, mais ça, on, ça, pour autant... Je pense que les, globalement, les gens ne l'analysent pas. Non, mais ils que, le ressentent. Ah, ils le ressentent à fond, à fond. Mais simplement, ils vont pas, on vit, ne on vit pas avec ça. Alors que mm. pour moi, c'est fondamental. Je suis ému par le son en permanence, par le son musical, par le son des films. Par, pour moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est quelque chose de fondamental dans ma vie euh, et, et dans la vie ouais. <laughs> autour de ça. Je suis beaucoup plus impressionné et sensible au son que presque que, 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 que autre chose et dans la vie, notamment les images. Mais en fait, ça, ça, ça aussi parce que tu travailles avec certains réalisateurs qui peuvent être sensibles à ça. Je me souviens quand j'ai posé la question à Mia hansen à propos de son film Un beau matin, le dernier mm -hmm. film là qui vient de sortir, euh, et je lui dis il euh, y, y a deux moments dans le film où il y a un son de pluie et euh, ça va impliquer une euh, finalement une perception de la tristesse des personnages alors que c'est un son totalement hors champ et on ne voit même pas une goutte de pluie sur une fenêtre mais ça a été ajouté euh, au moment du mixage ouais. son et je ouais. savais que c'était ouais. toi qui avais fait le mixage oui. et je, je, je me disais il y a eu un travail ici qui a été fait qui permet justement de faire ressentir les choses presque inconsciemment pour le spectateur parce qu'on ne la voit pas la pluie mais on entend pendant une conversation euh, Qu'il y a cet écoulement de l'eau qui, qui va faire un petit clapotis qui est à la fois doux, euh, euh, qui a un côté euh, enveloppant, un peu peut-être euh, réconfortant, mais aussi, qui est aussi une expression d'une certaine tristesse. Parce que c'est un grand classique euh, du la, symbole utilisé au cinéma que la pluie, c'est comme des larmes et il y a un sorte de rapport à la tristesse. Quoi. Donc euh, euh, là, euh, cette, cette sensibilité que tu as au son, euh, ça te permet de, de dire, et là, si on ajoutait un peu de pluie, par exemple, non bah ça, je, Moi, je me rappelle sur un, sur un film de Jazz queue où il euh, y avait une scène comme ça où lui avait amené le, 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 la scène sans. sans... Elle était très très vide et c'était un moment où le personnage principal annonçait à, à sa femme qu'il avait un cancer. Et, 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 et j'ai eu vraiment ce sentiment, cette intuition qu'il fallait mettre de la pluie. <laughs> et j'avais rajouté une pluie comme ça et tout d'un coup, lui avait découvert, c'était incroyable de se dire, il n'avait jamais été vraiment dans ce processus de changer finalement le climat sonore qu'il y avait eu à la scène. Ouais, ouais. Euh, et tout d'un coup, ça lui a vraiment ça l'a renversé parce que ça, sa scène elle, 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 s'était décuplée d'un coup. Après, en effet, ça devait ajouter un, petit, un peu un climat de tristesse, mais c'est vrai qu'on on peut avoir comme ça des souvenirs très très forts, assez intimes de. de voilà, il y avait ce contexte sonore vis-à-vis -vis de telle, telle ou telle situation et ça, et ça amplifie des sentiments. Ouais. Mmh. Donc, effectivement, on, on, on tu peux choisir chose. des sons que tu vas ouais. ajouter qui vont permettre de transformer complètement une scène ouais. sans que forcément euh, le spectateur s'en rende tellement de compte parce qu'il est focalisé sur l'image très souvent et euh, le son, bah, il entre. Euh, en, en, on ne fait jamais tellement, on bouge pas ses oreilles ou alors faut mettre les doigts donc c'est plus compliqué que de fermer les yeux et donc euh, ça, ça nous rentre dedans continuellement quoi donc ça ajoute voilà. des et, choses et en fait le, presque l'unique le, le, rapport qu'ont les spectateurs c'est quand ça marche pas c'est-à-dire que le fait dès que le son n'est plus là bah là ça va c'est vraiment la guerre Ce c'est pas possible <laughs> est, en fait rien ne peut se passer sans le son <laughs> mais mais c'est marrant d'avoir ce rapport là il n'y a, a pas un rapport forcément sur la qualité euh mais, mais pourtant, elle est vraiment, vraiment essentielle. Mais après, aussi avec des mystères, parce qu'il y a des bandes de sons que je trouve totalement ratées, puis ça n'empêche pas les films de marcher. Tout ça est assez étrange, en fait. Mmh. C est, c est, Alors, justement, d'un budget à un autre, là, on, mmh. on vient de parler de Myronsen Love, de Jazz Anke, donc ce qu'on va classer un petit peu du côté du cinéma à réessai. Et euh, le film euh, Le Chant du Loup, qui était un beaucoup plus gros budget, qui avait une volonté de toucher beaucoup plus grand public. Comment est-ce que ça s'est passé pour le mixage son et pour l'utilisation aussi d'appareils... Euh, enfin, euh, tu es même allé aux États-Unis pour, ouais, euh, pour ouais, le travail du mixage, ouais. donc peut-être des logiciels différents, ou peut-être... Non, c'était le même matériel. C'est totalement standardisé, en fait. Euh, ce qui est aussi euh, peut-être quelque chose qui est quelque part à la fois triste et à la fois excitant, c'est-à-dire que maintenant, euh, on, a, on, on utilise tout, tous des, à peu près les mêmes instruments. C'est-à-dire qu'avant, je pense qu'il y avait vraiment des des mixeurs qui avaient, qui avaient leur compresseur, leur, euh, leur limiteur, leur, leur petite machine externe qui faisait que, que ça donnait leur couleur du son. En France, il n'y a plus qu'un ou deux mixeurs euh, cinéma qui, qui encore ont euh, cette passion et ce talent d'amener de, 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 leur propre machine analogique souvent, mmh. pour donner vraiment leur... Ils y trouvent quelque chose de très intéressant, mais au prix justement de sortir souvent de, de, cette, de ce confort de l'automation. Donc, euh, ils font une scène avec tel réglage, et puis après, il faut qu'ils notent tout encore à, sur, à, un, sur papier. un papier, etc. Et que quand ils vont vouloir réenregistrer, bah, il faut se remettre exactement dans, 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 dans cette configuration-là. Et, et là, aujourd'hui, en fait... Euh, c'est totalement mondialisé. C'est-à-dire que c'est des... après c'est en effet pro tools qui a, qui a en gros pour l'instant gagné euh, la bataille. Une sorte euh, de monopole. Une sorte de monopole fou. Mais après qui est aussi assez fantastique. C'est-à-dire que sur un disque dur comme ça, j'ai tout un film. Je vais aux États-Unis, je le branche, on travaille en... dans une heure, on travaille quoi. C'est ouais. dingue. <laughs> et donc justement, comment ça s'est passé pour mais, euh, mais les outils, le champ du loup mais Les euh... outils sont les mêmes en fait. C'est ça reste. Euh, à peu de choses près, euh, une organisation aussi de travail qui est, qui est très très proche, parce que tout circule très très vite, en fait. On a... Donc finalement, tu dis qu'il n'y a pas une grosse différence, euh, même si c'est un tout petit budget pour le film, ou un très très gros budget Non, ap après, moi, moi aux États-Unis, dans la collaboration que j'ai eue avec l'équipe de, de Skywalker Ranch, c'est que, en fait, ils ont, un, ils, ont, ils ont vraiment ce talent, les Américains, mais je l'ai vu dans d'autres bandes son mais, mais sur, sur le champ de joue, c'est ce vers quoi... Euh on a travaillé, c'est cette capacité de, de pour chaque plan, je trouve, de, 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 de trouver un, un point de focalisation au niveau du son, euh, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un son qu'on retire de chaque plan. Et ça, je trouve ça très très fort, parce que on, ça n'empêche pas qu'au même moment, il y a un son qu oui, qui coexiste, mais il y en a un qu'on va retenir et qui va être là, qui va faire, et ça, c'est vraiment l'art du montage et du mixage. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai retenu de là-bas, qui était très forte. Tu avec quel euh, mixeur son ou euh, ingénieur du son en chef, peut-être sound designer, que tu as travaillé pour bah, le chant le du loup mix, Mixeur son, c'était Juan Peralta euh, qui a mixé beaucoup, je crois, d'Avengers de, ou des choses comme ça, des, oui, des oui, films oui, que, que je connais ouais. pas très très bien. <laughs> Mais pour euh, tout ça, se passe dans des, dans des, dans des temps, par exemple. N'ont euh, absolument rien à voir euh, avec la France, c'est à dire que donc nous pour mixer un, un, un long métrage aujourd'hui, on va dire même à gros budget, on va avoir quatre-cinq euh, semaines hein, mm -hmm. quand vraiment on a, on a les moyens. Par contre, euh, là-bas, pour mixer un, un, un Avengers, ils ont entre trois et six mois ouais. de, de travail <laughs> et avec une équipe euh, est aussi impressionnant aux États-Unis, c'est de voir le, le nombre de personnes dans les, dans les auditoriums. Et en France, on commence à être presque tout seul. C'est-à-dire que les réalisateurs viennent moins, les monteurs sont viennent moins, euh, parce que la, la, la production ne finance pas aussi leur présence, hein, tout simplement. Ouais. On, a, on, on perd énormément. C'est aussi encore un, un des, une des conséquences quelque part du numérique. Il n'y a plus un esprit d'équipe. Il y a moins d'esprit d'équipe. De Avant, en fait, on travaillait tous au même endroit. C'est-à-dire que le, le montage d'image le montage son, et puis le mixage, il était dans la porte d'à côté, et puis on était tous ensemble. on pouvais même... poser des questions comme ça ah bah, Ça n'arrêtait pas images. de s'alimenter, et puis on s'échangeait des sons. Ah, J'ai besoin d'un son d'oiseau, tiens, prends-le, etc. Là, maintenant, il y, y a quand même souvent une dislocation des endroits de, de, de post-production, et c'est dommageable, en fait. Et quand qu tu travailler... dis qu'ils sont très nombreux finalement dans bah, le dans, studio son oui, Skywalker le... Ranch, oui, parce, parce que... que le réalisateur vient, parce qu'il euh, y a. Bah, parce qu'en fait, il y y va, va y avoir des mixeurs un peu pour, pour chaque strat. Mmh. Euh, Quelqu'un va prendre les directs et, euh, et par exemple la musique. Et, Surtout et... le film. Surtout le ça, film, de ouais. ça. Après, euh, quelqu'un va prendre les ambiances et les effets. Euh, on peut avoir euh, quelqu'un qui mixe les musiques, ou par exemple, je faisais des pré dans un autre auditorium, puis après c'est transféré. Euh, donc il y a déjà à ce niveau-là, quand même pas mal de monde. Et après, il y a un monteur euh, musique qui fait que du montage de musique, mmh. un monteur euh, des ambiances, un monteur des bruitages, etc. Donc il euh, y a encore aussi beaucoup d'assistants, enfin voilà, et ça fait du monde. Euh, oui, alors que toi tout euh, ce et que ils sont tu là à le dire... dire. Et chacun a son poste aussi, et chacun peut aussi débrayer sa propre machine. Donc pendant un moment donné, on va on va rouler dans l'auditorium, quand même avec les bruitages qui ont été déjà enregistrés parce qu'ils ont eu une première passe de mixage. Donc on les, on les entend si on veut les entendre, mais pendant ce temps-là, euh, bah, il a son propre poste pro tools, l'opérateur, et il va euh, il va euh, voilà, changer le synchronisme, il reprend contrôle de sa machine avec une écoute au casque. Voilà. Mais chacun est en train de faire un travail dans un petit auditorium séparé. Non non, non c'est dans l'auditorium même. En, en même fait. temps. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. C'est bon. comme un, une sorte de chose de très pyramidale comme ça, et puis le chacun à son étage travaille en live selon les, les directives du réalisateur du. Y a un donc, truc ça, ça fou permet quoi. de faire des discussions encore et une sorte d'esprit d'équipe dont tu parlais. Voilà, ouais, c'est une cohésion comme ça sur l'ensemble de la bande-son qui se fait. Euh... Okay. Alors que euh, tu fais pareil, mais tout seul <laughs> quand mais, tu fais mais, le mais oui, film, oui, Oui, c'est ça. Oui. C'est là, là où, où j'ai pu découvrir le fait d'avoir. J'ai quand même fait pas mal de mixages. De un peu partout dans le monde, et, et en fait on découvre qu'on a une compétence en, en France qui n'est quand même pas négligeable, c'est parce qu'on sait un peu tout faire en fait. Est, ah oui, est, ça aide. On n'est pas spécialisé, on, euh, on mixe tous les types de sons, Il y a, on n'est pas mixeur musique ou mixeur euh, bruitage, on, euh, les monteurs sons sont capables de tout faire. Euh, D'accord. Tu euh, es allé en Chine euh, Je n'ai pas été en, en Chine, j'étais au Japon. D'accord. Ah oui, que, euh, avec Naomi Kawase, ouais, tu as en, en, travaillé sur des sons au Japon. Donc, on, a, on a mixé au Japon, ouais, ouais, ouais. Dans un auditorium au Japon. Au Japon, japonais, ouais, à la Toho. <laughs> c'est pas compliqué, c'est pareil. Même si c'est écrit p... en japonais, non, non, c'est écrit en anglais aussi. Non, mais il suffit juste de changer le, <laughs> changer le langage de l'ordinateur <laughs> et puis on, on se retrouve à la maison. Non, mais la première fois que j'ai travaillé au Japon, en fait, je savais, moi, je n'avais pas la connaissance qu'on pouvait changer le, le langage d'un ordinateur. J'ai travaillé un mois comme ça, <laughs> avec, avec un clavier japonais, juste parce que j'ai la mémoire parfaite des raccourcis, en gros. Mais je ne savais pas, en fait. <laughs> et après, quand je suis rentré en France, je me dis mais si, il suffit juste de changer le, <laughs> le langage de l'ordinateur, et puis tu te débrouilles, tu l'as en anglais, en français. <laughs> ok, mais ça a marché quand même. Bah, ça a marché, mais, mais j'ai souffert. Mais bon, voilà, parfois... On... D'accord. Et euh, tu peux peut-être nous montrer un petit peu comment euh, tu utilises euh, finalement le, les faders ou juste peut-être euh, dans, ben, dans quel dit, ordre oui, ça, ça ben, peut fonctionner Oui, en hein. fait, de toute manière, euh, c'est vraiment hérité de, 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 des, des, des toutes premières consoles de mixage. Ça n'a jamais vraiment changé, si ce n'est des, pro, des, des, des progrès en termes ergonomiques. Euh, et, euh, et en fait, l'intérêt de ces consoles, c'est un peu comme des, une grande garde-aiguillage, c'est-à-dire qu'il y a un signal, il euh, y a tel du son. Ou tel train. <laughs> oui, c'est ça. Mais en tout cas, si on considère un train, <laughs> il passe là. Euh, on va vouloir l'envoyer euh, vers une réverbération, par exemple. Donc, on va dériver son signal vers une réverbération. Après, on veut le récupérer, donc il revient ailleurs. Et on va pouvoir doser son signal sec et le signal réver, ré, réverbéré. Puis après, cet ensemble, on va le sommer, le son sec, le son réverbéré, sur un autre, une autre tranche, par exemple, sur lequel il va y avoir un traitement de compression, de dynamique, de, de limitation. Euh, après, il milliards de choses hein, qu'on peut faire. Euh, donc, en fait, voilà, c'est juste des centaines de signaux comme ça qu'on travaille à gauche, à droite. Après, on a aussi des gros groupes de, de, de sons, euh, qui sont euh, évidemment le, 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 le son du, du tournage, le son direct, les bruitages additionnels, les sons additionnels d'ambiance, d'effet, la musique. Euh, et après, on, on a aussi des, des, ce qu'on appelle les deliveries, c'est-à-dire c'est ce qu'on va devoir fournir à la production pour qu'après, ils puissent vendre le film, par exemple, à l'étranger. On va devoir euh, ah oui, fournir... une la piste la internationale. Parce que ça, ça fait partie des deliveries pour la production euh, qui va après euh, vendre, par exemple, le film à l'étranger. Et en Allemagne, par exemple, ils, ont, ils, ont, ils, ils ne veulent pas avoir un, un, un film dont la bande son a une langue étrangère à la leur. Donc, il va falloir faire euh, livrer une bande son où tous les dialogues, par exemple français d'un film fran en langue française, euh, vont être euh, éradiqués et euh, on va fournir donc une bande son euh, qui s'appelle ah, oui. une version internationale sur laquelle euh, des acteurs allemands vont, vont doubler les voix françaises. Voilà. Mais, donc, c'est pour ça qu'il y, y, y a ces grandes familles de sons et qui nécessitent d'être regroupées parce que quand on va enlever tous les dialogues, bah, il faut aussi quand même garder le Travail qu'on a fait sur la musique et les effets, donc ça reste dans des groupes relativement donc, séparés. On des dossiers finalement sur l'ordinateur qui sont très précisément marqués pour être bah, envoyés, en a... oui, oui, livrer justement à. Exactement, puis c'est vraiment que ça rappelle vraiment des gardes-aiguillages ou en tout cas le, le, un réseau ferré, c'est-à-dire que ça va à Marseille, ça va à Lyon, ça va à Bordeaux et ça ne va pas ailleurs et ça ne va pas se mélanger et ça se mélange mmh. peut-être au terminal. D'accord. Barcelone. <laughs> voilà. Ok, donc là, ouais, tu as la version pour euh, l'Allemagne et les autres pays, d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des. Bah là, là, là c'est valable pour des... tous, les, tous, tous les autres pays. Il ouais. ouais, y a des pays où on, fait, on garde euh, euh, essentiellement la version originale et avec du sous-titrage, par exemple, j'imagine. Ah, euh, bon, on peut garder euh, totalement la version originale et il y a aussi une version un petit peu intermédiaire où on livre justement cette VI euh, qu'ils peuvent utiliser et, et ce qu'on appelle des options tracks. Euh, qui sont en fait des, des pistes optionnelles où justement c'est un petit peu ambigu parce que tout d'un coup on était dans un film totalement en français et puis il y a par exemple une scène où il y a euh, un acteur qui va parler en, en anglais parce que la scène s'y prête et pourquoi perdre cette différenciation et c'est important de garder le fait que qu'on bah, parlait majoritairement dans une certaine langue puis tout d'un coup il y a l'intrusion d'un acteur en anglais et ça on peut le garder mais euh, en Allemagne il est probable que même l'acteur où il tout, se où tout fait sens, qui qu parle anglais parce que. Voilà, ouais. euh, bah, il va aussi parler allemand. Parle Mais avec, avec allemand. un accent anglais, peut-être. Ouais. Euh, comme euh, les films français où les Allemands parlent en voilà, français par euh, avec un accent allemand. Euh, Peur, toutes sortes de choses assez <rire> catastrophiques, <rire> un petit peu bizarre pour, voilà. pour ceux qui sont habitués à la version originale. Oui. Euh, donc, euh, euh, ouais, je me demandais, euh, dans des productions récentes, l'évolution finalement. Euh, actuelle avec la multiplication notamment de la production de séries est-ce que toi euh, tu as euh, une différence au, dans le travail du mixage euh, que ce soit film de long métrage ou série bah, pff, après l'ambition on a toujours envie qu'elle soit la même et puis euh, mais, mais, mais en fait on peut pas avoir vraiment la même ambition parce que les temps ne sont pas les mêmes aller plus vite pour euh, la série bah, Il faut aller les plus vite, on voudrait aller plus lentement, mais on ne nous donne pas les <laughs> moyens d'aller. <laughs> voilà, c'est juste une question que C'est beaucoup ça. plus long, puisqu'il y a beaucoup plus d'épisodes, beaucoup plus de temps. Oui, après, on a. Enfin, en fait, c'est plus le ratio du temps, c'est par ouais. rapport à un, un temps donné, on a, on a tant, tant, tant de mixage pour le, pour le faire. Euh, moi, je sais qu'en long métrage, je suis à peu près à une moyenne de 8 minutes par jour. C mmh. Je fais mon calcul simple pour savoir qu'un film d'une heure quarante-cinq, dans ces eaux-là, je, je le mixe en trois semaines. Euh, bah une série, ça va être un rapport qui est malheureusement, entre guillemets, plus, plus dense. Donc, on n'a on, mmh. on, on pas le temps d'être dans, dans, dans un affinage qui soit okay. voilà, aussi grand que le cinéma. Ouais, et donc, quand tu as mixé pour Olivia Sayas Irma Webb sa série, euh est-ce que tu as de faire comme quand... Enfin, est-ce que tu senti une frustration peut-être ou est-ce que c'était... Bah, la frustration, elle, elle, elle vient aussi de la, de la profusion, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose comme un rouleau compresseur qui ne s'arrête pas, mais c'était aussi <laughs> la, les circonstances, hein, qui, qui font que euh, quand le, mi le mixage a débuté, au bout du 3 ou 4e épisode, la diffusion a commencé à sur HBO donc euh, les circonstances de, de temps ont fait qu'on avait six jours de ce qui était déjà un luxe, hein, je, six jours de mixage par épisode, qui faisait à peu près une heure. Euh, et après, le, le, il, y avait, il était hors de question de, de, de passer de revenir dessus, c'est-à-dire mmh. qu'il fallait le livrer et puis voilà. Oui. Pas... Donc même s'il y a des choses, tu dis, bah là j'aurais dû faire autrement. Ouais. C'est trop tard. -ce que alors, par exemple on aura la version DVD ou. Non non non, c'est fini, c'est fini. Ah, Il n'y a plus le temps de okay. tout remettre. Ah, ouais. Parce que moi, Par exemple, ce que j'adore faire, euh, et malheureusement ça s'y prête pas non plus toujours, mais euh, j'adore en fait revenir sur un mixage quelques semaines ou quelques mois après, en fait, d'avoir fait une grande pause, de se vider en fait de, 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 de tout le côté justement technique, de, de, de la fatigue, de, de, de l'élan de mixage. Et de retrouver un film trois euh, quatre semaines après, les choses deviennent Donc es un très peu très vierges finalement voilà. euh, par rapport au film, et tu te dis tiens là je l'écoute et je sens ah ben bah, voilà c'est ça et ça qui manque ou bah, disons que ça, ça de toute manière c'est une grande capacité à développer qu'on a ou qu'on n'a pas hein, je, je, je pense mais euh, on peut aussi évidemment travailler c'est cette virginité vis-à-vis -vis de n'importe quelle euh, euh, diffusion d'un film sur lequel on travaille parce que c'est à la fois paradoxal parce que je pense avoir développé aussi une grande mémoire auditive, c'est-à-dire que ce qui est assez phénoménal, de, de, un son que j'ai mixé ou que, que j'ai monté il y, a, il y a 20 ans, je le réécoute, je me souviens de plein de choses associées à ce son, mais mes... de manière terrible. D'ailleurs, j'ai regardé euh, Tout est pardonné euh, qui a été diffusé à la Cinémathèque française de, de... Mia Hansen Love il y a un mois. Ça m'a euh, complètement bouleversé parce que le film, je ne l'avais pas revu depuis presque 15 ans. Et en fait, c'est pas tant que ma mémoire, j'avais plus un souvenir très, très très précis du film, mais par contre des sons, ils étaient associés à peu près à, à, à tous les éléments de ma vie de l'époque. D'accord. Et c'était une expérience euh, extraordinaire. Je sais plus pourquoi j'en suis arrivé là, mais tout ça pour dire que un des travaux qu'on a aussi à faire en tant que monteur son ou mixeur, quand on travaille justement sur la bande son, c'est d'être capable d'aller dans une salle de projection pour voir son travail, le contrôler et d'avoir oublié tout ce qu'on a fait, et d'être comme un spectateur. De ce, de, il faut vraiment arriver à se, mettre, euh, de, de, à se mettre à cette place de spectateur qui découvre le film. Et ça, je crois que j'essaye de. Enfin, j'arrive à le faire. Et, et d'autant encore... plus s'il y a évidemment du temps qui est passé. Voilà, c'est ça. Il faut une sorte de luxe de la production pour avoir du temps. C'est extra le... extraordinaire de le faire. Mais le, mais le problème, c'est que souvent, par exemple, on a un, un planning qui est collé par rapport au Festival de Cannes. Donc on commence à mixer, et puis trois jours plus tard, le film est diffusé à Cannes. Mais on, et on dit en a le souvent qu'au Festival de Cannes, les films ne sont pas terminés. Ils ne sont jamais terminés quasiment. Donc et puis le euh, fait que. Après, que, ça sera repris. C'est souvent, mais il faut quand même qu'il que que y ait la possibilité de le faire. Il n'y a pas toujours la possibilité de des le faire. budgets quoi pour ça faut des budgets aussi pour ça mais mais euh, de toute façon j'avertis souvent les productions que si on peut se garder un ou deux jours euh, à, à posteriori c'est quand même euh, est tellement payant bien sûr tout le monde, monde est content au final quoi mmh, mmh. ouais. d'accord il faudrait euh, que tu nous parles un petit peu des du matériel euh, voilà peut-être actuel euh, dans la chaîne je dirais par exemple on n'a pas du tout parlé des micros Enfin, si, un peu quand on a parlé du fait qu'il y avait les, euh, euh, la, le, le couple AB, mmh. les choses comme ça, mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, comment, comment tu sens euh, l'évolution du matériel bah, mmh. En fait, ce qui... Euh, C'est une perte évolution, révolution, euh, tout, tout, toutes les technologies mises en place. Il euh, y, y, y a beaucoup de développeurs en fait, qui apportent tout d'un coup un petit logiciel qui va résoudre telle ou telle situation. Avec des choses assez cyniques d'ailleurs aussi, il euh, y a un logiciel qui s'appelait Virtual Cathy. Donc il veut dire Cathy euh, Virtuelle. <laughs> Parce qu'en en fait, euh, ça permettait, euh, c'est un logiciel je crois américain, euh, de, de faire un travail de, de conformation automatique entre deux versions de montage image. Euh, en fait, le principe d'une un, conformation, c'est qu'on a euh, un plan A qui fait telle durée, le plan B qui fait telle durée, le plan C qui fait telle durée, et puis, par exemple, le montage image a évolué. Le plan B s'est enlevé et le plan A et le plan C, donc c'est une conformation simple, se sont maintenant associés. Ouais. Donc ça veut dire que on avait une, une continuité comme ça au niveau du, de l'image et du son, mais on va, on va se concentrer sur le son. Et en fait, tout ce qui se passait en B maintenant doit être coupé et ce qui se passait en A et en C doit être collé. Et voilà, donc ça on, imagine, on voit bien à peu près l'opération à faire. Et en fait, ce logiciel, euh, on rentre euh, les informations, ce qu'on appelle une EDL, une Edit List, qui, qui, qui donne justement les informations qu'il y a le plan A qui va de tel timecode à tel time -code, timecode, le plan B et le plan C. Maintenant, c'est A et C. Donc, ça va permettre de comparer deux états du montage image et euh, De faire automatiquement ce travail de conformation. D'accord. Et Donc en fait, ça, ça, ça fait le montage sans que tu touches. Toi voilà. Même. Et en fait, évidemment, avant, c'est ce que font les monteurs sons. C'est eux qui, qui prennent leur projet, vont couper tous les sons du plan B, l'éliminer, rassembler les sons du plan A et du plan C. Et puis voilà, maintenant on est conforme et synchrone. Au nouveau montage d'images. Mmh. et en inventant ce logiciel, euh, voilà, tout d'un coup, il n'y a plus besoin de, 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 de Cathy, l'assistante. De, de, ah, de... c'est pour ça que c'est horrible comme voilà. ça, c'est monstrueux. Voilà, c'est une des humains aussi. Les, bah, toute façon, l'élimination des humains, oui, euh, est, elle est, on, on la voit. Effectivement. Ouais, et, euh, et donc, on est, on, bon, enfin, en tout cas, il y, y, y a une évolution comme ça permanente en fait des outils. Et ce qu'on voit arriver aujourd'hui, enfin après, moi, je, je, je suis pas devin, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais euh, tout nouveau logiciel qui vient d'arriver, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle dans nos logiciels de traitement. Donc, en gros, là, par exemple, c'est utilisé euh, par une société qui s'appelle Waves et qui a un, inventé un plugin qui s'appelle Clarity. Qui, euh, auquel il on, on, y a donc de l'intelligence artificielle qui, 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 est, qui est au, au cœur de, de, de ce traitement, parce qu'on on, on lui a fait, en, en gros, apprendre, écouter euh, toutes sortes d'environnements de, de, sonores qu'à terme, on ne veut pas. Et en fait, il a la capacité d'analyser dans une prise de son l'environnement sonore. Et comme c'est un environnement sonore qu'on ne veut pas, on peut doser en fait, la réjection. De, hmm. de, de, de ce son et, et ne garder que le son utile qui est son par exemple des voix. Donc euh, s'il y a quelqu'un qui tousse, hop, le, pas le logiciel tant... va l'éliminer. Ben, éventuellement, s'il si, si est programmé pour enlever les, les, les sons de tout, pourquoi pas. Mais hmm. là, 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 en l'occurrence, c'est plus pour enlever euh, des sons de, de urbains, des sons qui sont gênants pour l'intelligibilité de la parole. Ouais. Et en fait, là, on s'aperçoit, par exemple, en utilisant ce logiciel qui est, il vient quand même très récent, c'est qu'il fait un travail. Il réussit en fait, à avoir des résultats sonores qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes en tant qu'ingénieur du son avec nos oreilles. On est dépassé par la machine. Okay. Et je crois que c'est l'un des premiers logiciels où il fait quelque chose de mieux que nous. <laughs> okay, Donc est là, la, là, le remplacement, il est, il est là. Hein. Par rapport à l'histoire du son, c'est intéressant parce que dès 1933, les Américains vont mettre au point une machine qui, automatiquement, au moment où euh, le film doit être monter qu'on fait le montage son, automatiquement, ça va baisser le niveau de la musique, quand il y a de la musique, quand il y a des dialogues. Au moment où les gens sont des stars, doivent parler, il faut qu'on les entende très clairement. Alors, ils ont mis au point un système qui, n'y a même pas besoin de toucher, déjà la musique était baissée. Donc, on voit qu'il y a une longue tradition de ouais. cette idée de clarification, c'est le nom effectivement du plugin, euh, de la parole pour mettre en avant, finalement, les dialogues. Quoi. Ouais, mais ce que ça peut, je ne sais plus, peut-être Godard, qui s'appelle ça, ça le vococentrisme je sais qui... euh, Michel Chion. Michel Chion, pardon. Ouais, bravo, le vococentrisme, <laughs> ouais, tout ouais. à fait. Ouais. Michel Chion, quand ouais. il a analysé ouais. les sons de voix, et, et c'est particulièrement important dans la production hollywoodienne où ils essayent de mettre en avant, ils payent plus cher les stars, donc il faut que les voix soient mises en avant. Et euh, en France, on a quand même une tradition où... Depuis Jean Renoir, euh, La Chienne en 1931, c'est pas très grave s'il y a des voitures qui passent et qui font qu'on n'entend plus trop le dialogue parce que l'ambiance va être super importante. Ouais. Ça, ça continue à exister encore. Encore, ouais. Tant ouais. que les <laughs> intelligences artificielles ouais, bah, ne ouais. pas ratiboiser. <laughs> Mais ça, je pense que si on se revoit dans 10 ou 15 ans, ben, notre discussion va tourner beaucoup autour de l'intelligence artificielle dans nos métiers. D'accord. Euh, bah, merci beaucoup, verra. Olivier, en <laughs> tout cas, de, de nous avoir expliqué qu'est-ce que c'est le passage au numérique et comment ça ce fait de travailler le son d'un film. Merci. Merci à toi, Martin.